Madale. Gekogela. Pasteur Mako entravé. Pour ça m'a regardé. Quand arrivé sur téléphone moi là pour image moi ouais sur réseau franchement bagala grave bagala empiré. Gen moun créé le massacre. Mais nous connais moi même dans production 509. On pa wè bagay yo même avec tout le monde. Moi même moi relè ça suicide. Parce que son bagay qui t'a semblé qui vraiment planifié. Pasteur Mako influencé yon bonne fidèle. L'hypothé yo al mouri. Yo te gen mission pour t'al déraciner, craser base gang Jeff Canaran. Yo maré imène accompagné Pasteur Mako pour écraser gang dans Canaran. Qui ça te donne moun sa yo? C'est bâton, manchette, rash, wash. Qui ça te donne bandi Pasteur Mako pour écraser base yo? C'est zam la guerre, zam de point. C'est zam qui nomme yo et zam sa yo pas tiré green maï. Yo pas tiré green sirette, mais plutôt c'est bon green balle. Yo tiré. Pour moun m'ap gade ki mouri sou kont Pasteur Mako, bagala grave, bagala empiré. Avant m'aller plus loin, prochez ou chita. On a regardé yon vidéo côté bandi Canaran yo kembe trois fidèles pour Pasteur Mako qui c'est trois femmes. Yo mette yo à genou. Gen yon nan yo qui pon balle qui flotte on balle flotte le bord bouche. Yo met à genou yo di oh oui c'est nan jeune yo talé comme yo wè prophète là prend devant yo suis prophète là et dame le met à genou li di li pa konn parler moun mal li rive devant chef elle dit c'est pasteur qui criminel mes amis si c'est moi kap dou ou pa kwè mais malheureusement gen image pa ka moutro mbe rakonto ki sa pa ka laye et avant m'aller plus loin. On regarde vidéo ça ensemble. Après ça, m'a tourné pour qu'on comprenne qui ça passe ma confé avec Fidel Lio. Ouais, même mon pasteur Mako qui vient de Canaran, mais malheureusement il est une victime yo, vinn prend bal yo. Nous même nous pas criminel, trois monde ça dans même toujours. M'a voyé à l'état. Et eux même parler nous dans mettre d'eau. Pas poser une question. Oui, comment passe ma confé pour nous mener nous là nous vini. Nous avons le gouvernement problème ne va ne gazam. Quand y a là, nous suivre équipe là. Quand y a là, nous vini juste là. Et dame ça rien. Ça dame ça rien. Non, la faute ma balle faute la bouche. OK. Ça est ça passe ma côté ba nous dit nous pas prendre balle yo. Ça est ça passe ma ko ba nous. Dis nous pour nous pas prendre balle là ouais. Bien rangé quoi. Oui ouais, Pasteur Mako. OK. M'a dit nous m'a voyé aller. Comme tout ça me juger comme criminel. M'passe reste sac pas imbécile yo à identifier vrai criminel yo. On n'est besoin payer contre la diable mais c'est quand ça lève un gros jour samedi et puis tout pour venir mettre un paquet monde à la boucherie. Hein? Qu'on a signé des criminels là, est-ce que madame gratter nous? Oui. Hein? Pasteur Mako, papa, il m'a dit. Ok, Pasteur Mako, on est les criminels là. Il n'y a pas de problème, non? On fait vidéo, non? Sauf que là, m'a voulu nous aller. Pour payer, il va avancer, m'exterminer nous. M'a fait déposer nous sur la rue, mettre nous dans la machine. Pour payer un petit bout de vidéo. Attendez? Vidéo, ça, vous êtes gardé là. Nous avons trois femmes. Avec Mayo, Jonah Wiko Souyo. Ou même, qui connaît fidèle Pasteur Mako, ou pas dire ou pas connaît Mao ça. D'ailleurs, gang nan, li filmé logo qui sou Mayo, nous wè sa le marqué. Exactement, ça c'est fidèle Pasteur Mako, porté par gang yo touye, porté par gang yo kidnappé. Mes amis, heureusement, gang nan fait connait, moun sa ou li pren, li pap touye yo. Li dit, nous occupé Pasteur Mako,
yon gros jour samedi, qui besoin si un contrat avec Diabli, li pote nous al mouri. Comprenez bien ça, il dit à la oui. Dans nous grand monde, parce que Marco, li gon esprit avec. Ça qui arrive, espérant vibre sans, li planifie un bagay, li pas pour nous aller. Ou mal pour connaître, question à poser, oui, tant pis souple. M'connais nous fidèle Marco. C'est question à poser. Et à chercher à comprendre ça qui passe. Mes amis, nous tendez. Heureusement, monsieur, il n'y a pas de tout. Mais il y a un peu de monde qui mourit. Selon un journaliste qui était sous place, pour lui-même, il dit lui, ouais, environ 20 personnes qui tombent en bas-balle. Balle bandit. C'est fidèle parce que c'est Marco. Moi-même, je dis, je confirme. 5 personnes, tête écrasée en bas de balle bandit. Canaran. 5 personnes, ça a été marron blanc. Qui a un logo. L'église. Prophète ou bien pasteur Makoa. Et moun sa yo, le ou tap mache ya, ou te di, ma yo blinde. Ma ou si pasteur Mako son bon djelye, li mene moun yo al kanaran. On kanaran, ma ou se kanaran nan Bibla, li tellement kwen nan histoire ki nan Bibla, li pense kam entre kanaran avec moun pal yo. Mes amis, sak passe la, gen moun kreye le massacre. Mais moi même balle le massacre non moi le suicide raison pour laquelle moi le concert nous ca poser cette question en Jeff Canaran avec chef gang criminel kidnapper vite l'homme qui est ce qui près pasteur Marco pour la déchouquer vle ou pas non badje vite l'homme plus près que pasteur Marco que Jeff Canaran pardon pour qui ça lui parle déchouquer déraciner crasé gang vite l'homme non qui tout prend qui n'a tabac notre sel lui fait mon marché aller jusqu'à Canaran on lui fait ou droite pour aller Canaran lui fait ou découper pour qui ça fait ou découper et quand si mon nouer n'a pas comprendre mes amis est-ce que l'état dans pays a m'ka dit pas gagner si tu gagne l'état dans pays d'Haïti pasteur Marco la police a vint arrêter depuis cette manifestation. Non, zone qu'on peut aller à là, même si vous tapez Ariel Henry, ou t'as confié Ariel Henry pour t'arrêter, yon premier ministre, président à vie, sous pouvoir, liberté pour aller Canaran. Koun y a là, ou pour un bon moun fou. Moi, le moun sa ou moun fou. Egaye yo, yo sup passe Mako, pour ben dial tout yé yo. Pasteur Marco prend bon monde. D'ailleurs, nous-mêmes, les petits sur Pasteur Marco, esprit qui avait Pasteur Marco, pas quitter balle la personne. Mais nous-mêmes, nous ne devons pas soi. Nous ne pouvons pas tirer sur nous, la passe la prend nous. Nous peut-être nous allons mourir sous compte Pasteur Marco. Et, il y a deux morts qui sont en fait, et ces populations qui sont touchées. Mes amis, on va éviter d'entendre yon audio. Yon témoin oculaire voye pour moi. La vive ça qui passe dans Canaran. Qui je m'en dis l'autre chrétien vivant. Pasteur Marco yo pour mettre caoutchouc sur pour ka boule yo. Yo mouri, yo loté yo. On a attendé. Après ça, m'a tourné. Et chéri, bah là j'ai un doulé. Merci parce que vous prêtez un peu l'attention ensemble avec moi, ça fait un peu de plaisir. Vraiment, je suis content un peu. Mais bah, m'joto, normalement, je n'ai pas tiré sur mon canal. Ok? Peut-être lundi, je vais tenir 60 parcours ensemble avec mon yo. Premier mot qui fait, non, bah, là, deux premiers mots qui fait, et manifestant au fait. Manifestant, tu as un groupe nègre. Qui a à peu près 8 à 12, qui est dans 3 machines, qui a mes jours codants, qui n'a pas d'accord qu'une caméra filmée, qui a une petite image, qui a capable de camper à côté, une image 2 secondes seulement de ça. Et ils ont même brûlé un jeune garçon, vif, et puis ils ont croisé un jeune garçon sur le bout,
yo tire l et puis yo met un maillot l'église en sous lit. Et ce gars de baillot sous lit, tout le monde des monde qui a dit que ça n'est pas dans mettre en nous. Et puis on va dire mettre son nèg là. Après ça on venir retirer maillot. Et là on monte canard on a mis cap tirer. Cap tirer tout. Yo les rentre kay moun nan Rosenberg, rentre kay moun yo pété porte, pété barrière, rentre depuis aux jeunes jeune garçon bois dans bodol. OK? Et ça c'est situation. Manifestation les mêmes étaient beaucoup monde armé, t'a un bon nèg. Les armé jou kodan là en sandale en pied. Là on dit une peignoir sous l'île, ça accompagne tigan avec gilet pas mal de soleil. Ça est sa question. Et mettez un pile tiré, vrai. Un pile tiré. Vous pouvez imaginer, vous pouvez faire manifester pour avoir un fort, la mère dit pas qu'il n'y a pas de fin, il n'y a pas. Et puis, sur le canarin, vous voyez tracter la mère. Vous voyez la mère, elle va renforcer sur le canarin. Voir ça, où se tendez là, son ami, qui tenait. Manifestation avec Pasteur Marco, avec Fidel Yo. Nous tendons que ça le dit. Et il n'a pas menti parce qu'elle était là. Non seulement, il voit auto sa bombe, mal confirmé avec l'autre journaliste qui t'a couvert la manifestation, il dit est-ce que ça, monsieur, ça m'attendait là, c'est vérité. Il dit oui. Yo te wè tout bagay sa yo. Mais gen question mi se pose. Nan audio sa. C'est un bel remarque. Li dit imagine moun ka fou fey. Te descend nan base la mer d'Haïti. Pour te mande renfo. Pour te moute. Ka fou fey. A cause bandi gravin yo. Kembe yo en otage. Je pas de vle. Je te dis, c'est PM Ariel Henry qui a baillé l'ordre pour sortir. Je ne vais pas sortir comme ça. Tandis que Pasteur Marco, avec un bon monde fou campé de elle, Almeno al mouri, li jwenn sipo, la mer d'Haïti, Besap, avec l'autre nèg Axam, pour aller camper goumé avec Jeff Canaran. En pile moun mouri selon témoin oculaire nous entendez gen 20 moun yo loté pour mettre les divers sous yo et c'est fidèle Pasteur Marco gen 5 m'a gardé qui prend balle tête fille ou garçon qui mouri et c'est Pasteur Marco qui responsable yo imagine deux moun de pio ou pas le coup maman dit. Même zange mon Dieu dans le ciel là, gen lame, yo gen bouclier, yo gen épée, parce qu'on est, et bien tout combat qu'a fait, nan bouche, gen de bataille ou pralé, faut qu'on gen manchette, faut qu'on gen casse, faut qu'on gen bouclier, faut qu'on gen seti, faut qu'on gen botte. On va dire, on parle en bataille avec bandit. Ou alors avec deux mounes de pio, bibou kebe dans mou, laissez de Jésus bi ou dans bouchou, foulaï, kap fait, pour le mou. Mais moi-même, qui pas bandi, ou nous koutons avec laissez de Jésus bi ou, on kalop m'ba ou, m'a pétrel dans bouchou. Ça veut dire m'kabatou. Allez voir pour un bandi, qui gen gros amis kebe dans mille, ou pour aller dire laissez de Jésus bi ou, et bien la boîte des amis, popo, ou tombe de pied long. Au nom de Jésus. Mes amis, c'est grave. C'est bien malheureusement. Pasteur Marco pas prévoir ça. T'assemblée, ange ou bien esprit chérubin, t'as dormi. Qui veut que lui pas protéger fidèle lui ou bien tout, lui pas au courant de fidèle ça qui mourir. Bah la grave. Bagay la empiré. M'obtenne commissaire gouvernement. Qui ça le pral dit? De suite de ça. Parce que Marco voye moun yo al mouri.
M'entend qui ça? L'état haïtien pral di Mako. Mako, voye moun yo al mouri, li font suicide. Gen moun kre le massacre, dit ou pas? Massacre pas fait comme ça. Yo massacre, c'est lè. On baga qui pas programmé. On goup moun yot la comme ça, bandi passe tire yo. Ça le massacre. Suicide, son baga qui bien planifié, ou al livre moun yo à la boucherie. Mes amis, dans la prochaine émission, je vais vous porter un bilan pour nous. Combien de gens gang canarien ont tué pour Pasteur Mako? Combien de gens ont kidnappé? Combien de bandits ont tombé? Tout ça, vous avez besoin de la prochaine émission. Malé, Chanel ça, c'est Production 69. Abonnez, like, commentez, bon avis pour vous. Sous dérive ça, parce que Mako fait là. Jotia. Li mène moun sa al mouri. Et à nos jours, y a cherché parce que Mako. T'as coué ping ti tête. Yo pa wel. Comme vous connaissez, li gen on esprit avec. Depuis la danger, li ka disparaître. La kali. Fidèle yo, y a dégagé auto coucou clé pour jou. Nale, rendez-vous dans la prochaine émission. Et on parole ta fia kon sa, ministre justice la ta doué bay démission d'après l'idée mouvement avisé patriote organisé pour l'unité. Pas capable de demander une population pour faire résistance à des gangs armés. Et ça, franchement, pas à comprendre. Sincèrement, ministre justice la, il t'a supposé démissionner. Il n'y a pas de rôle là, il n'y a pas de place là, étant que ministre justice. C'est action pompier qui a réglé seulement. C'est ton cabrit fin passé après pour demander fermer barrière. Qui donc, bandi fin touye moun kafou fey, nan li la voix. C'est après un pile SOS, la police songe gen yon population kap victime. Pa gen assez policiers pou bay ti pep la nan ghetto yo sécurité, mais tout gros chabrak, tout grand jipon nan gouvernement, même soufflantchou ki vend dignité yo bay régime tête calé 3e version ak allié yo, gen policier la kayo ak derdo yo. Jean-Daniel Colin dénonce situation sa. Je dis à la fois ministre justice t'a mandé tout ministre yo quantité policier yo gen kap sécurisé yo que la kayo, que des doyo, pour mettre à la disposition de population. Ministre justice en pral dit que pas gen effectif. Mais si pas gen effectif, pour qui ça y oblige gen tout moun sa de yo. Je dis à un policier qui habite dans la zone, c'est vrai qu'il a sécurisé 2-3 moun, mais c'est famille qui a sécurisé avant. Ça prouve à clair que canage qui fait le kafou fait là, qu'elle pas dérangé ministre justice là. Ça prouve que si gen l'autre massacre qui gen pour faire, gen un paquet moun dans la population, gang ami a fait ou déplacé pour venir tourner des sans-abri, li pa dérangé ministre justice et le pape déranger gouvernement. Ministre Emily Prophète pas mesuré conséquence message li qui mande yon population qui gen en mail bout de fouchette à qui est bois pour rete troke kon à théorie sans foi ni loi qui gen zam la gen en mail ak bo kit katouche. Pour mettre Camille Oxius, c'est un coup ministre justice ak sécurité publique la tout dit citoyen yo dégage yo cherche Galil yo pour faire la guerre pendant autorité yo ap koule boisson yo nan gros hôtel. Parce que yon telle déclaration capable de mener la population dans sa vengeance primitive, justice populaire et même mener la guerre civile en soi. Lorsque vous demandez ces populations qui nous prennent défense, donc autodéfense, li ka menen dans n'importe situation. Jean-Daniel Colin croit, li possible pour population faire une autre forme résistance, mais c'est pas bay bandi keyil tant qu'aux oiseaux. Jean-ministre justice la tavle là. Peuple haïtien, réveillez-nous, Dieu pas qu'à tuer nous tous. N'importe Jean lié, faut nous faire résistance en son l'autre forme, mais c'est pas sous forme ministre mandé nous, parce que le ministre fait nous comprendre, faut nous tout ta camper sous ligne pour nous bailler gang à méfiser nous. Et puis laisse ça dit, nous déplorer. Devant zak criminel, population apsibi en bas gangster, même gouvernement montre yo pas seulement cynique, mais c'est un paquet incompétent qui a joué la vie, yo, yo pas montré aucune volonté pour croire en sécurité. Jean-Daniel Colin mettait zéro barré pour gouvernement ça, qui pas utile peuple à rien. En tout cas, je suis content, c'est comme ça, on ministre justice parler, ça prouve nous, équation gouvernement ça, li nul, li égal à zéro. Jean-Paul Lundi, Caraïbe FM. Merci un pile, Jean-Paul Lundi. Pas en mer? Pas en mer, Dél, pas en mer du ministre.
Cette analyse et recherche sous affaire Douaboun Card réagit sous notre ministère justice et sécurité publique là qui demande aux populations pour collaborer avec la police dans l'idée pour faire face à la sécurité gang yo. Responsable organisation Douaboun là met dit Léon Jean quoi. D'abord, c'est renforcer PNH là, avant parler de consigne qui passé yo. Guerrier t'a dit ça tout à l'heure. Nan ba yo bon jan moyen ki nécessaire pour combattre phénomène là sans rete yon pi bon coopération communauté internationale là ak pays d'Haïti dans domaine sécurité ak lot encore met Gilion Jean t'a répondre question collaborateur nous Michli Alexis. Pas de sécurité sans participation citoyenne, donc dans tous les grands pays la sécurité intérieure c'est pas tabou la police, mais c'est pas si citoyen ou participer en termes de contribution, yo signaler des informations et yo contribuer à tous les niveaux. Donc, citoyens, ils sont éléments clés de la sécurité. Cependant, ce n'est pas que nous sur l'analyse des rôles. D'abord, c'est l'autorité, ouais, c'est la police qui doit bailler le temps. Et ça, fondamental. La population doit contribuer, mais la police doit faire travail. Donc, je dis, nous-mêmes, nous toujours plaider pour que la police soit moyen. Et nous toujours dit ça, la sécurité est avant tout une question de moyens et non de posture. On peut évoquer toutes les théories qui existent, toutes les stratégies qui existent. Mais si vous n'avez pas de moyens, pas de sécurité, au-delà de toute promesse qu'il y a fait, on donne des millions, on donne des milliards à la police nationale d'Haïti. Mais nous demandons pour nous une police qui est équipée, qui a un hélicoptère, qui a un taux de soutif, qui a une femme, qui a un équipement, qui a des unités adaptées, qui a une technologie, qui a tout ça. Ça, c'est un élément fondamental. Maintenant, pour dire ça, autorité autour des responsabilités, parce que sécurité, ce n'est pas seulement la police. Parce que moi, j'ai une tendance comme si pour résumer question sécurité à la police. Non. Lorsqu'on parle de sécurité, et la police n'est pas le premier élément qu'on voit. D'abord, c'est une question de politique publique. Mission évaluation pays Kenya arrivé dans Boutlia hier mercredi dans Port-au-Prince. Délégation a été rencontrée avec le chef gouvernement au conseil de transition au état-major PNH là qui même corps diplomatique là. Première visite délégation kenyane qui devrait prendre tête pays qui pral aider PNH là et 8 c'est l'empile d'après au commandement PNH là. Mission en pas vienne remplacer police nationale là ni fait travail là dans place li la vienne aider les plus efficaces, plus adaptées, plus en mesure pour mission yo qui s'est protégée avec servie d'après une autre service communication primatia météo. Toujours d'après notre primatia PNH là à peu présent dans toute phase préparation avec réflexion pour bien planifier mission 1. Une façon pour être capable bailler puis bon résultat qui dans premier moment yo visé changer la vie population et puis permettre citoyens yo rejoindre liberté pour yo circuler et habiter tranquillement dans quartier yo dans cadre bourade ça yo na demande de police nationale dans ces formations unité intervention yo une façon pour être capable faire face à des défis sécurité yo et puis garantir stabilité pays. C'est faiblesse gouvernement en place là qui mettait une situation pour solliciter une force militaire sur le territoire national là. Notamment, c'était parole Clarence Renoir, responsable parti politique union qui fait connaître autorité ou pas mobiliser force police là. Acclamé hein, pour bailler population en sécurité tout bon vrai. Toutefois, coordonnateur national et strictissa fait connaître, y a pas compte aucune intervention militaire, mais il faut qu'il y ait une condition qui posait en commission à quelle durée force là a fait sur territoire doit fixer d'abord et puis il faut qu'il y ait bon genre assistance pour PNH là avec force la meilleure. En côté précision, Clarence Renoir, l'éternel micro Peterson Luxama. Ça nous pour en Haïti, nous pour que y ait sécurité dans le pays. D'abord. Maintenant, qui est-ce qui a porté sécurité, qui est-ce qui a baillé sécurité, nous remarquons que depuis 2 ans, c'est le gouvernement qui a baillé sécurité. Parce que le gouvernement a une force police dans le même qui a plus passé 10 000 là-dedans. Une force la même qui a 1500 là-dedans, il n'est pas mobilisé pour bailler sécurité. Maintenant, le gouvernement a mis le pays en situation pour qu'on ait une nouvelle humiliation. Ça veut dire qu'on est obligé de faire appel à des forces internationales qui viennent bailler sécurité dans le pays d'Haïti. Tandis que nous avons une force par nous là, qui est capable. Fait travail là. Donc, face à la situation population a subi là, quand il y a boulé caille moun dans le pays, que ce soit dans Carrefour ou bien dans le quartier, dans la capitale là, et dans la Tibonite, du massacre qu'a fait sous paysan et sous population, nous-mêmes dans l'Union, nous pensons que doit gagner une solution qui vient. Et solution ça, si force internationale, les Nations Unies, vous voyez, vient en Haïti pour assurer sécurité population, mais nous ne pas accomplir. Nous n'avons pas de force parce que nous avons besoin que vienne sécurité dans le pays. Cependant, nous posons des conditions. Nous
d'ici, faut que nous vienne là, les doués des conditions qui claires pour pays à connaître, qui prend la vie fait. Nous dit, il faut que nous connaissons qui durer pour ça. Combien de temps on force internationale a vint faire dans le pays d'Haïti? Deuxièmement, qui s'acquit dans la mission? Mission, est-ce que son force de dissuasion qui a campé là seulement, qui va attaquer Bandi Ayo, pour permettre que le monde sorti? Donc, nous-mêmes, nous pensons qu'il faut que le combat soit de gangs qui viennent dans le pays pour éliminer. Troisièmement, faut nous connaître tout qui est responsabilité mission les limites. C'est-à-dire que si mission a fait des violations graves de droits population, devant qui est-ce population va porter plainte? Est-ce qu'il y a besoin de réparation parce que nous pas oublié ça passé dans le pays déjà? Une autre condition que nous posons toujours, si une force internationale qui vient dans le pays a dépensé 400 millions de dollars par année, il faut que la donne qui investit pour force nationale, il faut qu'on compte qui investit pour renforcer la police nationale là, pas l'équipement, pas l'entraînement, permettre qu'ils engagent plus pour une force nationale, ni pour force armée d'Haïti tout, pour que nous allons retomber dans le bagage sans quoi. Après, là, ce fois, nous pas oublier qu'il y a des antécédents historiques. Mais ça fait 15 ans, il dépensait 650 millions de dollars par année. Le dernier dollar, là, nous tombons encore dans un problème. Donc, ça, hein, nous-mêmes, nous disons oui, d'accord, pour force l'avenir, malgré nous-mêmes, mais pour la population, pour la sécurité à pays, là, si la pays sécurité, nous d'accord, mais nous-mêmes, nous disons fort conditions à respecter, laisse ça, nous comprendre que le force l'avenir de l'aller, après tant de missions en Haïti, et nous-mêmes, nous sommes capables de prendre la relève avec force de police nationale, nous, avec force armée d'Haïti. Apparemment, son mission d'évaluation est venue rencontrer le gouvernement avec police nationale, parce que, mais, en réalité, il n'y a pas de connaissance d'une vraie évaluation de terrain qui fait, d'autant que nous avons période est en virus. Maintenant, peut-être que la police nationale a des données la même déjà que le Canada est Bali, que le pays Bali, le Cap servi avec lui, mais il n'y a pas besoin de venir ici, puis de chercher des données, ça, il n'y a pas besoin de. De toutes les manières, ça nous connaît, c'est que ces gouvernements ont rencontré, ces corps diplomatiques qu'ils ont rencontré, ils n'ont pas rencontré une source sociale de l'IA. Il est important pour ça qu'il fait. Nous-mêmes, unir, ensemble avec collectif, parti politique comme Janvier, qui vient la Péladani, OPL, Mopod, GRI, etc., ça nous fait, nous, voyez un document qui a deux aspects nous fait Péladani, un aspect politique et un aspect technique. L'aspect politique à nous voyer, il nous dit qu'il faut que, pendant que mission ça a vu dans Haïti, force internationale, il faut que vous jouiez un accord politique qui vous favorise mission en Vini parce que par un parlement, par un président élu par le peuple, ou par un premier ministre, d'après le mandat de force pour venir pour quoi qu'il a. Faut qu'il y ait un consensus national sur ça. Clarence Renoir, installation commissaire principal Roger Lamartinière comme nouveau directeur départemental police l'Ouest 2 à hier mercredi, il est remplacé dans poste ça commissaire divisionnaire Clevens, c'est tout qu'il est même transféré dans tête direction départementale police Nord-Ouest payant nouveau DDO 2 Roger Lamartinière qui avance à tes travail comme responsable juridiction Croix-des-Bouquets, gagné un diplôme master en défense et sécurité continentale. Il était fait partie des quatre commissaires principaux qui étaient gradués dans la 62e promotion Collège interaméricain défense. C'était 24 juin passé. C'est un commissaire, il reconnaît qu'il baille un pile résultat, donc il est très efficace dans le cadre de travail. Nous apprenons tout Jean-Louis Paul Ménard, qui c'est directeur départemental police l'Artibonite, ben il désigné là comme alors il c'était ancien directeur départemental l'Artibonite, pardon, Gradance, il est transféré quoi là dans l'Artibonite, il va remplacer commissaire divisionnaire Roger Godson jeune qui est même pral affecté dans cabinet directeur général à IPNH et selon toujours la police nationale d'Haïti, il y a un commissaire divisionnaire John Joseph Zamor qui est désigné comme nouveau responsable service permis et Zamafeu, SPAF, d'après ça, il y a une autre PNH là, fait qu'on a un PNH là qui dit n'a pas toujours été fidèle à Devisley qui s'est protégé à sa vie. Donc, Paul Ménard qui prend le responsable département, l'Arti Bonite, côté gang, Kokorat, Sanra, Sakbaz, Grand Griffe, a fait l'obéi. Réseau national Cap défend droit mounio RNDDH qui m'a dit inspection générale pour l'ouvrir yon enquête sous yon façon pour fixer responsabilité à voyer devant la justice policier Bernard Manuel Desroses
agent 1 qui est affecté dans Polyfront à Kakolit Lio qui était attaqué à Kagozam locale institution vendredi 18 août passé d'après RNDDH. Attaque contre locale organisation en fait des heures après organisation te fin publié un rapport sur derniers actes violence qui est arrivé dans plusieurs localités dans le département la Tibonite à l'ouest principalement Kafoufeuille d'après sa organisation droit monde a écrit dans une correspondance livré par inspecteur général en chef PNH Lanfrit Saint-Fort pendant attaque ça individu examio tiré balle réelle sur barrière principale bâtiment côté juge de paix constaté impact à 5 balles à un panneau solaire sous tête KL qui te recevoir plusieurs cartouches d'après RNDDH. Gagné FJKL qui est même condamné attaque un exam fait contre local RNDDH 18 août passé. En côté déclaration Marie Yolène Gilles. FJKL considéré comme une menace contre la liberté de la parole. C'est avec la peine nous apprendre 18 août 2023 un exam tiré sous local RNDDH. Attaque ça arrivé fait dans un moment côté gang armé yo imposé yo sous population toute ça et autorité yo pas jamais réagi. Nous quoi c'est des actes qu'a fait pour intimider population pour réduire militants droit moun yo au silence. Nous condamner ça passé 18 août là. Inacceptable. Jodi a c'est un climat de terreur qui blaye sous pays. FJKL a profité pour renouveler engagement pour goûter bon côté population pour démocratie capable de fleurir. Et nous disons non à gangstérisation, nous disons non à la dictature, nous disons oui pour capable de plusieurs idées qui blaillent en même temps. Nous disons oui pour respect droit à la liberté. FJKL m'a des autorités en place pour arrêter bandits, identifier, fouiller ou le juger. N'a pas des militants RNDDH pour ne pas quitter ou intimider. C'est des CPJ avec autorité en place qui ont même qui sont capables de mener bonnes enquêtes. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des attaques comme ça qui a fait, par exemple, abouti à aucun résultat. Vous songez, quelques années de ça, il y a été boulé le cabinet et M. Baptistin, qui est membre de la Fondation Éclairé, jusqu'à là, pas de rien qui j'en dit. C'est pas pour des fois tout, il fait des attaques sur RNDDH, pas un bien lumière qui est fait. C'est impunité ça, qui fait journée jeudi à bandits, à valer terrain, il fait ça ouvrir, qui fait moun capable de circuler libre et libre pour attaquer local organisation qui a défendu l'OAMU. C'est l'organisation de l'OAMU qui fait des documentations, puis dénoncer, puis faire des recommandations par autorité en place. Mais ça, qui est triste là, c'est le fait que c'est comme Sindadou. Dirigeants, c'est des gens qui payent les oreilles ou bien qui coulent les béton dans les oreilles ou pas qui ont des comptes de recommandations organisées de défense des droits humains. C'est chaque jour, droit à violer, ou banaliser le droit à la vie de notre pays. Il n'y a pas de circuler, pas de l'école, pas de l'hôpital. Donc, nous vivons dans des conditions que nous ne pouvons pas vivre. Je dis à pays, à tout le monde qui a demandé est-ce que Haïti c'est Haïti? Est-ce que Haïti a tourné Haïti tout bon vrai? Donc, c'est triste pour nous garder une population qui a vécu dans des conditions. Ça, c'est pour ça nous-mêmes. FJKL nous renouveler engagement non pour nous goûter bon côté population pour démocratie capable d'établir. Caraïbe FM, journal créole, première occasion à para poursuivre. Nous prenons rejoindre correspondant nous depuis Port de Perroque à Juvens Clavel. Et puisque depuis hier, oui, depuis mardi, il y a plusieurs dizaines de monde qui en bas main ravisseur Rio. Donc, c'est individu qui était détourné autobus Patrick Coachlan qui est après entré Port-au-Prince. Donc, selon information, yo, c'est à base Cocoat Saras dans la zone Tibouadom, une localité dans la commune Gros-Mon qui t'a kidnappé. Bus, c'est la détail avec Rock Juvens Clavel en direct avec nous. Clavel, bonjour. Bonjour Gaïe, bonjour Johnny Ferdinand, gros bonjour à tout le monde nord-ouest, cap sur le journal, première occasion, grand boulevard. Plus passé 50 passagers qui étaient à bord autobus Patrick Coachline, kidnappé par annexe base Cocorat Saratio depuis mardi 22 août 2023 passé. Autobus qui tape sur le bord de paix pour entrer Port-au-Prince, jusqu'à moment n'a parlé à l'heure, il y a plusieurs passagers qui. Toujours dans mes bandits qui réclamaient 250 000 jusqu'à 750 000 gouttes pour un monde d'argent de libération. Dans le palais, Radio-Télé Caraïbes qui fait avec quatre familles qui sont proches dans mes bandits,
professeur mathématique Hilton Eliazar lui-même très inconsolable puisque il a des petites li dans mes bandits. Lui-même lui dit il pas vraiment en mesure dans moment pour taper les bandits. Ça fait plus passer de l'année route nationale numéro 5 là, c'est bandit Tibradom Sayo qui gagne contrôle lui. Mon nord-ouest pas chamblier gros effort ancien directeur départemental police nord-ouest là, inspecteur divisionnaire Brice Mitchell. Qu'est-ce qu'on fait pour permettre mon nord-ouest de passer dans la zone Tibradom? Et après départ Brice Mitchell, nous sommes capables de jeter la lui-même dégagé. Côté remplaçant lui, on a parlé de directeur Yassin pour qu'on y a qui transféré. Pas de chance de montrer qu'il y a une volonté pour combattre les bandits. Faut que nous disons que dans le moment où on a parlé à l'an, DDNO lui-même, il y a un nouveau directeur dans tête lui. C'est pour aller de toute Cleveland déjà qui a un cahier de charge Captain Ni. Par chambre commerce nord-ouest là, ils ont même quitté pour courageux avec deux mois, puisque ils ont été invités et directeur départemental sortant dans plusieurs rencontres pour déposer problème de Tibradom. Il faut que nous disions certains membres de la population critiqué plusieurs entrepreneurs dans la ville Port de Paix qui prennent mal à l'aise, ont payé personnellement directeur départemental police nord-ouest pour capable faire camion marchandise passer. Alors que la population lui-même pas de monde qui voyage garder yo. Voilà la situation du département nord-ouest à moment n'a parlé là qui a quelques jours de plusieurs réunions dans plus beau fête nous capable qui gagne dans région nord-ouest qui c'est la Saint-Louis qui déjà commencé dans moment n'a parlé là et gain plusieurs diaspora qui te gain volonté pour venir fêter dans commune Saint-Louis du Nord mais puisque insécurité a taillé mandat dans région nord-ouest là je suis resté dans diaspora. Port de Paix, Walk Juvens Clavel, Caraïbes FM. Merci un peu, Walk Juvens Clavel, qui t'a donné nous détail sur ça qui arrive à Tibradom. C'est un groupe gang qui a su qui s'allait à Jabok. Il y a un ex-lil qui a su qui s'allait à Kokoatsaras. Il y a rentré sur la ville de Gonaï, mais il y a sorti le gros monde de l'Obra Lille dans le nord-ouest, Tibradom. Ah, ça va. Ah, sous deux côtés. Ah, il y a sous deux côtés. Il y a entre la Tibonite et Nord-Ouest. Ah, ok. Okay. La semaine dernière, il y a mis des gens qui dans le pays. Il y a tout. On connaît. Dans le plateau central, tout. Il y a valé terrain. En tout cas, il y a eu kidnappé un bus capital, et pas capital, non, Patrick Kouchlai. Avec plus d'une cinquantaine de passagers. Ouais. Et vendre 250 000 gouttes. Jusqu'à 600 000 gouttes pour la grande monde. Mais vous imaginez, 50 passes. On prend le strict minimum, on fait un calcul. Allez, n'a cherché comme sérieusement là. Hein? On dit 250 000 goud multiplié par exemple 50 minimum. Non? Oh, où est-ce que ça? Ou bien c'est calculatrice pour capable bon? De par Robert. Pas même faire le tout. Eh, où est-ce que ça, Isa? On a parlé là de presque 12 500 000 goud. Hein? Ah, ouais, ça vous voyez, ça 12 500 000. Alors c'est 250 000 good, yeah. Hein? Multiplié par 50 000, par exemple. Oui, 12 500 000 good. Oui, 12 millions de goods. Je vais acheter des armes, balles. Oui, mais il y a un gros goût. En tout cas, collectif 4 décembre exprime sympathie li ak moun ki victime zak bandi yo et puis famille qui a souffri en bas fléau ça depuis quelques temps. Pour faire face à l'offensive gang examen au Cap Valetire dans le pays, le collectif 4 décembre proposé pour utiliser et renforcer force Lamia pour supporter la police nationale. Dans ce sens, le coordonnateur général Estrictia, Jean-Robert Argan, critiqué comportement irresponsable dirigeant dans l'État. Jean-Robert Argan a parlé comme ça à collaborateur nous, Micheli Alexis. L'armée, depuis l'an fait, c'est la même gagne, c'est le colonne vertébrale. Nous ne pouvons pas mettre sous côté pour une raison ou pour une autre. Nous-mêmes, comme Haïtiens, nous disons que nous n'avons pas de roue à rejeter l'armée. Nous connaissons que l'armée a plein de problèmes. Nous connaissons que c'est vraiment là presque de non. Mais nous connaissons tout. Que si nous avons l'armée, que nous avons l'armée, nous n'avons pas de problème que problèmes que nous avons aujourd'hui. Donc c'est ça que nous disons. Nous disons qu'il faut que nous j'arrête et à l'armée et la police. Comme la police a plusieurs parrains qui cabalent, j'arrête, nous faisons appel à la société haïtienne que l'autre bord
pour venir avec son capoté au niveau expertise, au niveau logistique, au niveau finance, pour remembrer, pour bailler la mer, soit le Gévrine. Pour la population, mettre le prière, pour Haïtien mettre le prière, bailler la mer, support que besoin, pour être capable d'aider et les alliés. Parce que dans tous les pays du monde, ça n'a vivre là, dans tous les pays du monde, lorsqu'on situation dépassée, capacité, police, là, on va dire de compétence, on dit capacité police, là, parce que peut-être il y a plusieurs raisons qui empêchent les policiers de faire ça, le taguer pour le faire, mais qui dépassent capacité, en bref, ou rendement pour le travail là, on fait appel aux forces armées du pays. Et c'est là nous y aujourd'hui. Et c'est peut-être ça, nous lancer, appel ça, on appelle sous le drapeau qu'on fait pour ça. Nous gagnons pour l'élection. Et Fanda va l'élection le plus vite possible parce que le temps que nous commençons à être des gens sérieux, des gens compétents, des gens qui ont payé, qui vont diriger le pays, nous, pour nous, faut une sécurité. Pour une sécurité, il faut pas le même monde qui, je dis, a un bon problème. Non? Donc nous pensons que faut une bagaille solide qui fait. Et c'est ça que nous dit, que nous faisons tête nous ensemble, c'est ça le ou appel sur le drapeau, que nous mettons tête nous ensemble pour nous courir force légale que nous avons. Adiani Oximab Gounyala pral parler avec nous pour dire nous qui sa réalité a est, puisque nous connaissons plusieurs citoyens haïtiens qui vivent dans pays étranger souhaiter dirigeants haïtiens prendre responsabilité pour mettre sécurité dans pays pour permettre de retourner vivre dans la caillou à cause de Freddy à travail dit qui presque fini avec santé citoyens haïtiens ça montre indication yo gagne les a suivre gens individu exam pas suspend fait 100 haïtiens pareil yo couler abagé yon l'état qui paraît impuissant moi m'a dit m'en fou ben tout carrément Haïti qui avance à té la perle des Antilles tourné jodi a yon cimetière pour propre citoyen li et ben yon dossier spécial signé Adiani Oximab Saint-Fleur-Matin dans journal là Haïti manque man pile ba yo fait nous mal tout pays a et surtout à Port-au-Prince c'est gang qui dirige ça ban nous en pile problème pas bon ici avec en pile douleur en pile tristesse les n'a regardé nous quitter la caille nous et puis les nous dans pays étranger les nous en policier nous pas peur ça fait nous mal en pile n'a souffrir nous ta aimer tourner la caille nous moi tout rêve moi c'est retourner à Haïti tout rêve famille c'est retourner à Haïti chaque fois on va acheter billet bien cher pour l'autre côté ou tout investi bien ça c'est la caille pour acheter. Phénomène insécurité Haïti a fait face journée jeudi a pas seulement des gros conséquences sur haïtiens qui vivent dans pays a mais tous ceux là qui à l'étranger en pile.